Le chemin jusqu'au sommet va être dur. Tu croiseras des machines cruelles à chaque tournant. Corrompues ? Non. Mais elles ne laisseront pas passer un humain. Parce que d'habitude, oui. Des traqueurs dans la lande, et des veilleurs de l'autre côté. Je vais les éviter pour l'instant. Thank you.
Attention en bas. Je garde ça pour la route. Elle pense peut-être défendre Gaïa. Ça m'étonnerait qu'elle pense. C'est plutôt de l'instinct qui les attire vers sa tombe. Thank you.
Je descends vite.
temps de me reposer. Délit, Gaïa. Il neige. Il fait pas très chaud par ici. Thank you.
sacrifice de Gaïa. C'est ça. C'est ça qui a fissuré la montagne comme un œuf. Oui, oui. Allez, vite. J'ai pris soin de te préparer le chemin. Alors, tu es déjà venu? En partie. Tu verras. Tu m'as préparé un passage, mais tu as laissé toute une armée de machines? Depuis quand les machines t'empêchent de passer? Si tu pouvais voler, je ne me serais pas cassé la tête à faire un chemin. Regarde pas en bas, regarde pas. C'est exactement le genre d'endroit où je pensais pouvoir te trouver, Silence. Merci. C'est l'un des nombreux ateliers que je me suis bâti au fil des ans. Pendant des années, j'ai tenté de franchir cette trappe. J'ai percé, brûlé, fait sauter. Mais tu sais comme moi que toi, tu pourras l'ouvrir. À t'entendre, je devrais m'excuser. Pas du tout. Je n'aurais jamais pensé qu'il ne fallait pas utiliser la force, mais une clé. Une clé humaine. Quel manque d'imagination. Mais toi, tu es là. On dirait que tu as passé beaucoup de temps ici. Il y a 19 ans, une énorme explosion a détruit cette montagne. La mort de Gaïa, ta naissance. L'écho a résonné jusqu'à la roquette. Les cendres ont assombri les cieux. Les habitants de Méridian étaient terrifiés par ce présage. Les flammes étaient immenses. Une fois éteintes, j'ai été le premier sur le bord du cratère. Peu à peu, les machines sont venues pour le protéger. Ça m'allait. Plus personne n'osait s'approcher. À part moi. Dans son message, Gaïa disait qu'on pourrait la relancer, mais quand on voit les dégâts, je vois pas comment. Elle a dit qu'il faudrait d'abord détruire Hadès avant d'essayer de la réparer. Elle a raison. Sinon, Hadès pourrait se servir du nouveau système de terraformation comme d'une arme. Gaïa s'étant sacrifié, il a été obligé de trouver des moyens moins pratiques. Mais tu crois qu'on pourrait vraiment restaurer Gaïa ? Tu sais ce que les Creusets peuvent faire. Ils peuvent fabriquer les technologies nécessaires pour créer une machine. De la même façon, ils devraient être aussi en mesure de reproduire celles qui permettront de réparer Gaïa. Mais ça prendrait des années, et le peu de temps qu'il nous reste se compte en heures. Je pensais que tu serais là cette fois-ci. Vraiment là. Pourquoi ? Ma présence n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de moi pour franchir cette porte. C'est toi qui es né pour ça, pas moi. Bon, je crois qu'il est temps. Oui. Quand tu auras trouvé le système de sécurité, tu auras le pouvoir de vaincre Hadès. Notre futur dépend de toi. Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour, docteur Sobek. Vous pouvez passer. Journal des arrivées. Chaîne Margot. Regarde où tu marches.
Je vais devoir passer par là. Il a tenu comme ça pendant 19 ans, hein? Eh bien... Non, ne dis rien. Oh, ça c'est fait. Pas par là. Je devrais essayer par le haut. C'était sûrement là qu'il vivait. Il reste pas grand-chose. À l'époque, tout ça était entouré de roches et de métal. La chambre d'Elisabeth. J'en suis sûre. Elle n'a même pas eu le temps de s'installer. Ce sont ses journaux. Les journaux d'Elisabeth. Mais ils sont détruits. Scanlay. Le Focus peut les reconstituer, mais ça va prendre du temps. Pour nous, c'est un puissant appareil, mais son moteur est petit et limité. Combien de temps? Des jours, des semaines, des années. Occupe-toi d'abord d'arrêter Hadès et de prolonger notre existence. Et tu auras peut-être une chance de les lire un jour. Elisabeth. Qu'est-ce que c'est ? Ici Charles Ronson. J'enregistre ce message 6 heures après la mise en place du complexe Gaïa. Ce matin, nous avons eu un problème de port d'accès. À la fermeture, les joints des accès du complexe laissent un vide de moins de 2 mm. Mais cette fois, le vide était de 10 mm. Assez pour une fuite de signature énergétique. Assez pour que les robots repèrent la structure. Assez pour que Gaïa soit découverte et détruite. Assez pour anéantir le futur que nous avons passé tant de temps à construire.
Sauf si quelqu'un réengage les cerveaux moteurs de la trappe de l'extérieur. Je passe à un enregistrement de l'incident. C'est pas moi qui sors, en tout cas. J'ai pas signé pour ça. Soit on désigne quelqu'un pour s'en charger, soit on aura fait tout ça pour rien. C'est à Lise de décider. Et elle compte attendre longtemps avant d'arriver. Elle avait dit 5 minutes. Est-ce qu'elle serait... Oh non. C'est bon, tout va bien. J'ai réparé le joint. Gaïa. Vite calculé à 1,4 mm. Confirmé. Elisabeth, non. On va trouver un moyen de te faire rentrer. Impossible, les robots sont trop près. Ça va, ne vous en faites pas. Gaïa est terminée. À partir de maintenant, elle s'occupera de tout. Pas comme ça, on a encore tellement... Les amis, vous me connaissez. Les trucs qui se finissent, j'aime pas trop ça, alors... Faisons vite. Bon. Bonne balade, Lise. Et... un de ces quatre. Oui. Prenez soin de vous, d'accord? Lise. J'ai fait un choix. Je veux rentrer chez moi. Au revoir. C'était la toute dernière transmission d'Elisabeth Sobeck. Elle a tout donné pour que la vie revienne sur cette planète. Nous lui sommes tous redevables. Aloy ? Elle est morte. Pour de vrai. Elle n'aurait jamais pu survivre, Aloy. Mais ce qu'elle a réussi... est exceptionnel. Tout le monde se disputait, mais elle a fait ce qui devait être fait. Elle seule le pouvait. Elle valait mieux qu'eux. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est pourtant vrai. Pourquoi tu ne veux pas l'admettre ? Tu la crois supérieure pour son intelligence, parce qu'elle avait conçu Hope Zero, mais tu ne comprends pas. Elle était exceptionnelle, parce qu'elle n'a pas hésité un instant à se sacrifier. Pour les autres. Pour tous ceux qui viendraient après. Non. Elle ne voulait pas que sa création échoue. Tu confonds la volonté et la compassion. Tu te trompes. Elle savait que Gaïa ne devrait pas que penser. Qu'elle devrait aussi ressentir. Elle lui a appris à aimer, à croire en la vie, des armes contre le désespoir. Sans ces émotions, la vie aurait disparu. Toi et moi n'aurions jamais existé. Je vois ce que tu veux dire. Je regrette que tu l'aies... perdue. Elle a parlé de rentrer chez elle. Peut-être... Quoi ? Rien. On continue. Il y a une autre salle de l'autre côté du cratère. Elle a résisté à l'explosion. Parce qu'elle était blindée. C'est la salle des commandes. J'y vais. Mmh.
Quand j'ai ouvert la trappe, j'ai senti l'air qui passait. C'est parce qu'il n'y en avait pas dans l'autre salle. Mais les alphas y étaient pourtant. Je n'ai plus accès au système. Autorisation Alpha annulée. C'est quoi l'autorisation Omega ? Oh non. Personnel Alpha. Ne paniquez pas, mais je vous demande d'écouter ce que je vais vous dire. J'ai réfléchi longuement. J'ai honte. Non, n'essayez pas d'accéder au système. Bon, ce que j'essaie de dire, c'est... Je viens de vous dire de ne pas essayer d'accéder au système. J'ai réfléchi à l'avenir. À notre responsabilité envers ceux qui viendront après nous. Des innocents. Des esprits purs. Et irréprochables. On va leur donner le savoir? Comme si c'était un don? Ted. On en a déjà parlé 100 fois. Le protocole de sécurité d'Apollon a plus de 3000 conditions. C'est pas un don, c'est un fléau. Ils sont le remède, et nous voulons leur transmettre la maladie. Notre maladie? Non. Je refuse. Et ce n'est pas trop tard. Si nous acceptons un sacrifice... Ted, ce n'est vraiment pas la solution. Et pourtant si, Samina. Je l'ai fait il y a 3 minutes. J'ai effacé Apollon. Il n'y a plus rien, rien du tout envolé. Un sacrifice, ce n'est pas un sacrifice. C'est un véritable génocide culturel, espèce de pauvre imbécile. Des siècles de culture. Je suis désolé. Vraiment, je suis. Mais parfois, pour protéger des innocents... Il les a tués. Alors c'est pour ça. C'est pour ça que nous nageons depuis toujours dans l'ignorance. Pour un avenir innocent. Des gens purs. S'il avait pu voir les massacres dans la fosse. Tout ce que ces gens avaient accompli. Tout le savoir des anciens. Évaporé. Réduit en poussière. Renvoyé au néant. Le même sort que les alphas. Non. Pas au néant. Quand la trappe s'est ouverte, le vent a emporté leurs cendres. Ils voient enfin le monde qu'ils ont créé. Le monde où nous vivons. C'est un monument en hommage à ce pourquoi ils sont morts. Un monument en hommage à l'oubli. Pas l'oubli, Silence. L'espoir. Le système de sécurité. C'est tout petit. Tu n'as plus qu'à t'en servir pour éliminer Hadès. Éviter de tomber, le système de sécurité ne te rattrapera pas. Lâche pas.
Tu es... là ? Pas pour longtemps. Quoi ? C'est maintenant que nos chemins se séparent, Aloy. Et en guise d'adieu, je tiens à te donner quelques petites explications. Je t'écoute. Je t'ai déjà expliqué que j'avais... travaillé pour l'Éclipse. Mais je ne t'ai jamais dit à quel point tout est de ma faute. La vérité, c'est que je suis là depuis le début. J'ai trouvé Hadès, Aloy. Enfoui dans cette montagne, dans cette épave de titan. Et je l'ai aidé. Quoi ? Il m'a promis le savoir. Et je l'ai eu. Toutes ces choses, tu n'imagines même pas. En échange de ? J'ai aidé à créer l'Éclipse. À fonder une secte. Une armée tout à ses ordres. Pourquoi tu me racontes ça maintenant ? Parce que tu dois tout savoir pour réussir. Quand j'ai trouvé Hadès, il m'a immédiatement interrogé sur la flèche. Pas Méridian. La flèche. À ton avis, pourquoi, Aloy ? La flèche a été créée par Gaïa. Et elle servait à quoi ? Minerve. Son module de décryptage. Elle a construit les flèches pour transmettre les codes qui ont désactivé les robots pharaons en coupant leur conversion de la biomasse. Hadès veut faire une nouvelle transmission. Réveiller les machines pour qu'elles puissent à nouveau anéantir notre monde. En effet. Avec ce que nous avons appris, c'est aussi ma conclusion. Alors l'Éclipse, les robots qu'ils ont réveillés, il ne s'agit que d'une étape. Une armée pour s'emparer de la flèche. Oui. Pour qu'Hadès puisse une fois de plus exterminer la vie. À moins que tu ne l'en empêches. Je veux que tu me racontes toute l'histoire. Hadès, l'Éclipse. Dis-moi tout. C'est une longue histoire, Aloy. Alors vas-y. D'abord, ce focus. Que j'ai trouvé dans d'anciennes ruines, tout comme toi, il y a bien longtemps. Dans mon cas, l'appareil était endommagé. C'est à peine s'il fonctionnait encore. Je l'ai longuement étudié. Et rafistolé. Et puis un jour... ça a marché. Une toute nouvelle dimension s'est révélée, là, juste sous mes yeux. C'est là que je l'ai détecté. Un signal faible. Quelque part, quelque chose cherchait, tout comme je le faisais. Un esprit bienveillant. J'ai suivi le signal jusqu'à sa source. Un titan brisé, enfoui dans la jungle du joyau. Tu as cru que c'était un titan ? Une machine de guerre ? Je ne savais pas quoi penser. J'avais déjà vu ce genre d'épave, à la nécropole par exemple. Mais c'était différent. Celle-ci n'était pas morte. Au début, elle ne parlait pas. Mais mes travaux lui ont donné une voix. Nous avons commencé par échanger nos connaissances. Elle voulait tout savoir concernant notre monde, ses tribus et ses machines. Mais la flèche est restée son sujet principal. Qu'est-ce qu'il voulait savoir sur la flèche ? Son emplacement précis. Tout ce qui pouvait l'entourer. Ses propriétaires. En échange, il m'a révélé de nombreux secrets sur l'ancienne technologie. Rapidement, Hadès a décrété qu'il lui fallait une armée. J'étais prêt à l'aider, si la récompense en valait la peine. Assez pour équiper une petite armée. Ou ses commandants, en tout cas. Je n'y pensais pas. J'apprenais tant de choses. La physique, l'algèbre. Tu n'imagines même pas. Et les Karja de l'ombre ? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans ? La guerre civile des Karja est tombée à point nommé. Une occasion parfaite. Une occasion ? C'était ça, pour toi ? Oui. En une nuit, la moitié était partie pour aller reprendre Méridian la Sacrée. Leur religion les rendait faciles à manipuler. Je n'ai eu qu'à leur présenter Hadès comme l'ombre enfouie de leur mythologie. Alors effectivement, c'était une occasion. J'ai arrangé une rencontre entre Hadès et leur haut prêtre Bahavas. Elis aussi était présent. C'est ainsi que l'Éclipse est née.
Ils étaient prêts à tout pour reprendre Méridian. Mais Hadès n'avait que faire de Méridian. Tout comme toi. Nous vivons dans un monde de villes en ruines et de tribus oubliées. Alors une de plus. Et puis... j'étais trop occupé à régler le réseau de focus de la secte comme le voulait Hadès. Un défi technique passionnant, particulièrement avec toutes les modifications apportées par mes soins. La possibilité de les espionner. Oui. J'étais peut-être assez naïf pour servir Hadès, mais jamais au point de lui faire confiance. J'ai installé ce que les anciens appelaient une porte dérobée dans le réseau. Un accès secret qui me permettrait de surveiller toutes les activités et les communications. Pourquoi tu as retourné ta veste? Ne me dis pas que tu as eu des remords. À dire vrai, je n'ai jamais aimé voir l'éclipse réveiller d'anciennes machines avec ma technologie. Alors j'ai questionné Hadès sur ses intentions. Un peu tard. C'est vrai. Et je ne lui étais plus d'aucune utilité. Une fois le réseau de focus terminé, Hadès m'a appelé pour me donner ma récompense. L'instant d'après, il a donné l'ordre de me tuer. Et depuis cela, je suis en cavale. Et à quel moment j'entre en scène? Pourquoi je t'intéressais? Quand Olin t'a trouvé. Menace système détecté. J'ai trouvé ça étrange. Un ordre pour abattre une jeune fille, Nora? Quelle importance pour Hadès. Et puis, j'ai remarqué que cette jeune fille, Nora, portait un focus. Et qu'elle ressemblait étrangement à une scientifique des temps jadis. Ellie, ça fait vite. Je t'ai cru morte. Mais j'ai retrouvé la trace de ton focus. Dans la montagne des Nora. Plus je te voyais à l'œuvre, plus j'étais persuadé que tu n'avais rien d'une fille ordinaire. Bien au contraire. Grâce à toi, je pourrais enfin découvrir les secrets de la Terre. J'ai décidé de tout mettre en œuvre pour que tu réussisses. Maintenant, la suite de l'histoire, tu la connais, Aloy. Tu as fait des erreurs, Silence. Mais tu as aussi cherché à les corriger. Je peux pas dire que tu y sois arrivé, mais... tu as essayé. Soyons clairs, Aloy. Je ne changerai rien à ce que j'ai fait. Quelques précautions, peut-être. Mais presque la même chose. Vraiment. Ton histoire manque de morale. J'ai fait mon possible. Et maintenant, c'est sur toi que tout repose. Prends ma lance. Fixe-y le système de sécurité, et tu pourras le déployer. J'aurais juste à m'approcher d'Hadès pour la planter dans son crâne, c'est ça? Exactement. Ah, pas de problème. Silence! Tu vas aller où? Ailleurs. Et partout. J'ai encore tant de choses à découvrir avant la fin du monde. Et tout ça? Je te le laisse, bien sûr. De toute façon, ça t'a toujours appartenu. J'étais là, en attendant.
Je dois prévenir Avad que l'éclipse s'apprête à attaquer. Après ce qui s'est passé avec Derval, je sais qu'il défendra la ville. Mais la flèche...